Allô, Mo. Il pousse bien, moi. C'est le siège du comité Rimbono ici, là. Alors, on doit continuer les équipements, faire nos bureaux et tout ça. Parce qu'on veut. Rimbono a été créé pour. Pour faire le contrepoids par rapport à l'usine. Par rapport à l'usine, par rapport ici. Elle est juste derrière. Et là-haut, on a la mine. La mine, le stockage des résidus, il est derrière, là, et puis l'usine est là. Ah oui, oui, oui. Là, j'ai abîmé les. Nous sommes ici avec vous dans la tribu pour parler à tout le monde, pour essayer de comprendre tout ce que l'usine qui est au-dessus d'ici change ou a changé ou va changer dans la vie ici. Des communautés, des gens qui vivent là, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Donc, je vous demande de bien vouloir nous accueillir pour continuer ce travail. Aujourd'hui, nous essayons de nous situer nous-mêmes par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux réalités que nous et aux difficultés que nous rencontrons. Mais nous n'avons pas de recul. Ce que vous montrerez à travers ce documentaire, c'est pour les générations futures. Et eux seuls diront si. Si André Vama, le président du comité, et nous tous, on a bien travaillé ou on a mal travaillé pour préserver nos populations, nos traditions, et puis surtout sauver cet environnement. Voilà. Mais dis-moi, moi. Oui, je suis pour moi. Ok, merci. Allez. Ouais, lui, on va l'attacher dans vous. Nous sommes partis plein sud, vers Yaté. Nous savions que là-bas, au bout de la Nouvelle-Calédonie, deux mondes se faisaient face. D'un côté, une multinationale brésilienne, Vale Inco, achevait la construction d'une usine chimique. Une usine destinée à extraire du nickel et du cobalt de la terre rouge qu'elle avait déjà commencé à prélever d'une gigantesque mine à ciel ouvert. De l'autre, 2500 Kanaks, organisant quatre tribus, vivaient jusqu'alors de pêche et d'agriculture. Nous savions qu'entre ces deux mondes, éloignés de quelques kilomètres, il y avait eu 10 ans d'histoire tumultueuse. Lorsque le chantier de l'usine démarre, personne à Yaté n'en mesure vraiment l'ampleur et l'impact. Quand ils en prennent conscience, les habitants plantent symboliquement un totem, un bois tabou, pour marquer la frontière entre le chantier et leur espace de vie. Mais ça ne suffit pas, l'opposition se radicalise. Le comité Rebounou s'attaque violemment à l'industriel. Les Kanaks de Yaté se déchirent, c'est l'impasse. Il faut attendre la signature, en 2008, d'un pacte de développement durable pour en sortir. Avec ce pacte, l'industriel se place sous surveillance de ses voisins et promet de faire plus pour l'environnement et la préservation des modes de vie. Rebounou s'engage à ne plus bloquer l'usine.
sommes allés dans le sud pour rencontrer ces gens qui habitent désormais sous le vent de l'usine, pour savoir ce que ça change ou ça changera dans leur vie. Tout a commencé quand les grands chefs des quatre tribus ont donné leur accord à ce qui n'était alors qu'un vague projet de mine.